Donc bonjour, nous sommes le 9 décembre 2013 et je poste ma première vidéo sur YouTube pour vous présenter ma chaîne qui s'appelle Paradigmania. Donc c'est une chaîne qui comme son nom peut le refléter, vous présentera tous les outils qu'on a à notre disposition pour sortir du paradigme actuel et surtout pour résister, être autonome, être résilient face à ce rouleau compresseur. Donc je relayerai des vidéos que vous connaissez peut-être ou que je vous apprendrai à connaître sur des outils qu'on peut utiliser. Et sinon, moi je montrerai aussi mes petites vidéos pour vous présenter des choses que moi j'ai expérimenté, donc que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau énergétique, des choses qui ont un petit peu attrait au survivalisme. Mais en gros, c'est de la résilience, quoi. C'est du bon sens. C'est ce que les gens vont être amenés à faire, quoi qu'il arrive, de toute façon, avec la crise qui s'accentue. Donc, petit à petit, les gens y viendront. Donc, on n'est pas obligé de perdre du temps. On peut s'y mettre même quand on est à peu près bien. Et puis, pour tous ceux qui sont vraiment dans la merde et qui peuvent pas suivre, plus on sera, plus on essaiera d'aider ces gens-là et de trouver des solutions, de travailler ensemble justement pour résister et pour pouvoir proposer quelque chose, quoi. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui veulent résister, qui s'indignent, qui sont dans la mouvance dissidente, mais ils proposent rien, ils font quoi. Je trouve que les gens vivent par procuration, vivent leur résistance sur internet et par le biais de leur leader, leur gourou. C'est devenu des gourous presque, les leaders en ce moment de la dissidence, mais pas de leur faute à eux, hein. C'est de la faute du public, je sais pas, c'est humain, les gens ils tombent dans l'idolâtrie, ce qui font que après dès qu'ils sont ils sont déçus, ils partent complètement, ils explosent et ils partent dans l'autre sens. Moi j'ai toujours suivi ça depuis le début avec un œil critique, mais je ne me fais pas guider vers la lumière comme ça, quoi. Enfin, je suis les gens, tout ce qu'ils ont à dire, c'est super intéressant et tout, mais je suis pas en train de faire d'idolâtrie. C'est à cause des gens qui font ça que vous vous donnez un pouvoir hyper important. Si moi demain par exemple, je les ferai jamais, mais si je fais 5 millions de vues sur YouTube et que vous êtes tous en train de me mousser le cul, au bout d'un moment je vais me prendre pour je sais pas qui. Et puis là je commence à prendre du poids et de l'importance. Il y a des gens qui vont vouloir peut-être se servir de moi, je vais peut-être tomber dans des manipulations ou je vais vous manipuler parce que je vais vous sentir comme une bande de moutons, quoi. Voilà, donnez pas non plus une importance de ouf, même si les gens peuvent être très importants, n'idolâtrez pas les gens. C'est voilà, vous vivez par procuration. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde dort. Et tout le monde voilà, attend la dernière vidéo de tel intervenant, attend le dernier buzz, attend le dernier truc, la dernière quenelle. Mais vous faites quoi sinon, vous, de votre côté, dans vos vies? Vous organisez quoi, hein? Vous pouvez... chacun, voilà, il faut pas non plus... je suis pas en train de vous rabaisser, hein. Justement, je suis en train de dire que chacun doit travailler à son niveau. Il y a des gens qui sont des intellectuels dissidents, qui sont à un certain niveau, qui travaillent sur internet. Moi perso par exemple, je pense que je représente la masse, enfin les petites gens, et nous, comment on peut agir à notre niveau? Donc on a des outils, croyez pas que qu'on est insignifiant parce que vous retombez là-dedans. En fait, les systèmes de domination vous a toujours fait comprendre que vous étiez insignifiant, et maintenant quand vous êtes dans l'idolâtrie, dans les mouvements dissidents, les mouvements alternatifs, les mouvements désobéissants, les mouvements, tous ces mouvements qui peuvent être de gauche ou de droite, souvent vous êtes passé acteur. Malgré que de ce côté-là, à gauche, j'ai l'impression qu'ils sont plus acteurs dans certaines associations. Vous avez un pouvoir, et votre pouvoir, au-delà du vote, parce que le vote, je vais pas vous donner mon avis, mais vous avez un pouvoir de consommation qui est bien plus important. On est dans un monde de consommation, donc si vous apprenez à consommer, si vous apprenez à boycotter, si vous apprenez à être résilient, à être autonome, vous, euh,
vous avez de l'impact. Mais c'est vrai que tout seul, ça paraît insignifiant. Mais plus on sera dans cette mouvance, plus on pourra influer sur nos existences déjà propres. Ce qui fait que vous allez vous libérer, en fait. À chaque fois que vous allez vous libérer de chaînes, vous aurez plus de temps, vous aurez plus de moyens pour pouvoir résister dans d'autres domaines. Mais cherchez pas à vous prendre pour le dernier dissident, quoi. Vous cherchez pas à perdre du temps sur les sites internet, à laisser des commentaires de dingue. Enfin, vous perdez du temps si on multipliait le nombre de personnes qui laissent des commentaires qui servent à rien. Tout ce temps perdu, alors qu'on aurait pu, avec ce temps-là, on pourrait faire vraiment plein de choses. Dans le concret, dans le monde concret, dans la réalité. Sortez d'internet. Alors, c'est bien pour. C'est bien, mais faut pas que ça devienne un piège. C'est bien pour pouvoir s'informer sur certaines choses, mais faut pas que ça soit un piège. Vous ne vivez pas par procuration. Vivez le moment dans la réalité. Vivez dans la réalité. La réalité, c'est dehors. Donc, moi, j'aimerais me servir de cette chaîne pour pouvoir pour pouvoir réunir des gens. Mais sur des sujets qui sont pas politiques, des sujets qui sont de l'ordre pratique. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je mettrai des vidéos, j'espère une fois par semaine, si je peux plus, mais après c'est une question de temps. Et mettre des vidéos à chaque fois, je présenterai un produit. Mais le but, ce n'est pas que le but, c'est pas que je relaie des vidéos et puis que vous soyez spectateur de mes vidéos, que vous attendiez la dernière vidéo et je vais arriver avec un produit miracle ou un truc. Hein, c'est pas le cas. Hein, donc non, le but de cette vidéo, c'est de partager, de cette chaîne, c'est de partager. Ensuite, de créer, j'aimerais créer un certain nombre d'abonnés. Et à partir d'un certain nombre d'abonnés, si c'est conséquent, essayer de voir un petit peu les gens qui habitent, essayer de se réunir, quoi, mais dans la vie réelle. Donc après, essayer de trouver les gens qui vivent localement, au niveau départemental ou régional, et puis essayer de faire des choses, essayer de créer vraiment des choses, des structures dans le concret. Il y a des choses à faire. Il faut y aller petit à petit, il faut pas se donner des buts de dingue, mais il faut y aller petit à petit, et on va y arriver. Mais il suffit de travailler, quoi. Si chacun travaille un petit peu dans son coin, à son niveau, ceux qui n'ont pas les moyens, justement, il faudra trouver les moyens de les aider. Ça, c'est le but du réseau, ça. C'est que les forts aident les faibles. Alors c'est sûr, on est tous, pour une grosse partie, on fait partie des faibles, mais on va se débrouiller à se renforcer. Voilà, donc c'est le but de la chaîne, donc à très bientôt. Et oui, dernier mot, voilà, donc c'est une chaîne où je parlerai pas de politique. J'aborderai des fois des sujets spirituels, enfin, où je relayerai des vidéos qui me semblent intéressantes. Je ferai pas de prosélytisme, mais bon, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Je pense que les sujets que je traiterai, ils sont abordables et ils sont abordables par tout le monde et toute communauté, musulmane, catholique, même des athées qui respectent l'environnement. Mais ça, c'est des choses de bon sens, donc tout le monde devrait pouvoir s'y retrouver. Et encore un dernier mot. Donc à la fin de mes vidéos, je mettrai à chaque fois une petite vidéo d'un artiste qui a été récupéré par le système. Donc là, entre autres, ce sera Bob Marley, parce que je suis dans ma période Bob Marley. Donc je vais vous en mettre même plusieurs de Bob, parce que là je redécouvre Bob Marley, que j'ai écouté beaucoup dans ma jeunesse, vraiment beaucoup. Et même moi, je suis tombé un petit peu dans le côté, il restait plus que le côté un peu hippie, spliff. Mais c'est bien plus profond que ça, donc je vous invite à regarder le clip jusqu'au bout. Il y a la traduction, et à chaque fois je vous mettrai une petite vidéo comme ça. Donc à bientôt, et la paix soit sur vous.